Fédéral 2019. Destination Berne. Sous la coupole, le poids réel de Genève et de sa délégation se mesure aussi à l'influence de ses lobbyistes à Genève. Elles sont trois femmes à défendre les intérêts genevois dans les grands dossiers politiques qui sont discutés à Berne. Mais l'ex-conseiller national et ex-conseiller d'État PDC Luc Bartassa les voit aujourd'hui beaucoup moins influentes que par le passé. On a eu ces trois dames qui ont fait un boulot mais extraordinaire. Vraiment, elles nous étaient enviées par tous les cantons. Et puis c'est vrai que la dernière législature, ben, M. Longchamp a remanié un petit peu tout ça. Et puis aujourd'hui, au lieu d'avoir des mataris, on a quelques petites actions. Les pauvres, on les voit bien, elles végètent, quoi. Alors qu'avant, elles étaient au top du top. Et le Conseil d'État, d'après moi, a loupé le coche d'avoir... Il faut avoir nos espionnes là-bas. Il faut avoir des gens compétents, des gens qui savent aller fouiner, ramasser les infos, avoir une certaine influence. Puis surtout que quand elles interviennent à Berne, qu'elles puissent arriver avec le soutien... en tout cas en vitrine du Conseil d'État. Seulement les égaux des uns et des autres à Genève ont tendance à ne pas vouloir laisser faire les autres à leur place, alors que c'était leur boulot, et là il y a du boulot à faire. A l'inverse, son successeur, le Conseil national PDC, également Guillaume Baradzone, les considère lui comme un levier d'action efficace, mais ce n'est pas le seul. Elles sont vraiment compétentes, elles proposent des stratégies, elles sont à l'écoute, elles défendent des dossiers particuliers. Après, il y a bien évidemment d'autres types de lobby, que ce soit des lobbies de gauche ou de droite. Il y a énormément d'associations extrêmement importantes, qui sont dans le domaine du transport, de l'environnement, de l'économie. Et ça, c'est clair que plus on a des genevois et des genevoises dans ces associations fêtières nationales, que ce soit les syndicats, que ce soit des groupes d'influence, des think tanks, eh bien, la force de Genève sera aussi démultipliée. Donc on doit tous s'y mettre, c'est ça aussi le message. La politique, contrairement à ce que pensent certains, bah c'est aussi une question de réseau, c'est aussi une question des gens que vous connaissez, que vous arrivez à convaincre, des relations personnelles pour convaincre d'autres parlementaires. Ça se joue aussi encore beaucoup à la confiance. Destination Berne.